Non, SRAM, je pense le plus efficace, ce serait un SRAM soit Terre Funeste, soit en vrai feu. Le R, tu vas quand même un petit peu t'exposer, hein. Donc, à moins d'avoir un stuff R un petit peu tanky, sinon ce sera feu avec un stuff Crôture double Nivisa, ça peut se faire. Ou alors Terre Funeste, mais Terre Funeste, Terre, c'est bien de pouvoir placer des petits items de temps en temps aussi. SRAM feu, c'est très bien en 3v3, mais pas d'héros. Ouais, c'est ça, Aeronov. Mais l'érosion, de toute façon, ça fait pas partie du 3v3 solo, hein. C'est rare que tu vas éroder avec tes alliés, tu vas te dire, bon, bah, il y a un ennemi, on va héros. Tu tapes et t'isoles l'ennemi, en fait, maintenant. Un Upper Mage niveau 186, j'avais pas vu ça comme ça. Et notre Rougi est R, justement. Donc il est agi. On va voir ce que ça donne. Et je vais me booster sur l'Ougi, justement. Je vais mettre ça comme ça. Par contre, tour 1 avec le Faker, j'ai pas grand-chose à faire. Je peux me booster, mais. Je peux pas faire beaucoup de choses. Quand on parle chien. Ouais, le chien est là. The dog. Fortification. Et peut-être que je link le sort. Est-ce qu'on peut torcher le Sacri, à votre avis? Sacri, ça se torche hein, maintenant. C'est un Sacri R avec un casque Dragueuf. C'est pas mal ça. Use et SRAM au feu. Bonsoir en fait. SRAM au feu. Non, SRAM au feu, c'est bizarre. Moi, j'aime pas tellement les stuff bi-éléments sur les SRAM. Moi, là, classiquement, ça me rendrait ouf, c'est l'Exel. Ouais, Roro. Roro qui demande le forge lave sur les téléfrags. Non, le Xel en ce moment, c'est très, très, très fort. Trop fort. Donc, ça devrait se faire nerf, normalement, pour moi, hein, ce serait logique que ça se fasse nerf prochainement. Pour moi, c'est pas normal que tu sois obligé de top T au point de mettre 150 résistance fixe feu quand tu croises une certaine classe. Tu es très beau comme Triton. Ah, y a les Tritons qui font mieux, hein, Zygarde. Ils jouent un petit peu plus roleplay, mais dans ces cas-là, il faut que j'achète une queue de sirène sur Amazon. J'ai regardé, c'est genre 120 euros minimum. Mais j'essaie de d'être au top. T2, 28 PA, ça arrive à te. Ça arrive, ça te one-shot. Ah, c'est le but, ouais. C'est leur feu, c'est fort. Bon, bah, moi, je vais taper le Sacri, hein. Je vais être obligé. Il torche pas l'épée, lui? Non. Il se pelage, il monte sa rage. Et c'est un Ekaflip en face qui va jouer. Qui va jouer feu, je pense. Ou eau, purée, les résistances. Allez, FM, vos items, moi je suis perdu. Et pas R, il a 71 de tacle. Il est haut. Il est haut. Ah purée, le focus Ekaflip est envisageable aussi. Hein. Ça se fait, ça se fait. C'est dommage, je compte pas du tout sur mon upper parce qu'il est 186. Ah, mais ça c'est relou. Non, bah go sacri, hein. Go sacri. 13% R, notre Rougi va le défoncer, allez, go sacri. Cop. Qu'est-ce qu'il dit lui? Donc on va faire ça comme ça. Hop. Hop. Ouais, il tank un petit peu hein, quand même, forcément. Mais derrière, regardez, il lui reste. Putain, c'était mon event ça? 280? Ça va, ça va. Je pensais que c'était le 130. 2200 points de vie sur le sacri. On pourra le torcher. Si jamais notre Upper, par exemple, le rapproche, s'il veut fuir, il le rapproche de l'Ougi, il fait des dégâts. Notre Ougi le tombe là. Hein. Ah bah, il n'y a même pas besoin en plus, il se donne. Vous voyez, c'est pour ça aussi que je mets la fortif. Putain, les dégâts du truc, quoi. Après, c'est bon. Il y a le tour 2 esquivé sur le sacri, enfin, à le passer. Après, ça va. Hein. Tu veux pas enlever ton équipe? Mais non, Xyd, qu'est-ce que tu dis? Faudrait que je parvienne à arranger. À me reconnecter avec Twitch sur Stream Label. J'ai un gros souci là.
J'ai un gros souci. C'est pour ça que ça s'actualise plus là, les subs et les derniers subs. Je vais essayer de voir ça, mais putain, ça fait 3 fois que j'essaie de me reconnecter. Peut-être que la feature est cassée pour ce soir. Bon, 1500 points de vie du côté du Sacrieur. Bouclier FK plus rentable contre Sacri. Ouais, sûrement. Sûrement. Merci beaucoup, ZigaTR, pour les 5 euros. Continue comme ça. Merci à toi. Je vais essayer de relancer. C'est dommage de ne pas voir les derniers donateurs, les derniers subs, tout ça. Et lui, il me fait des petits dégâts. Bon, est-ce que le Lougenac le tue? Il a fait une couronne épineuse? Non. Non, il n'y a, a pas assez de PA. Ouf, moins 450, c'était quoi ça? Un dépeçage. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense qu'il le tue. C'est fini pour toi. Toletum. C'est cool. Par contre, moi, je suis dans la merde. Parce que là, il va pas tacler les K-flips. Les K-flips va me mettre très cher. Il faut le tuer, hein, par contre. Peut-être que les cas pourraient le soigner ou quoi. Non, proie, carcasse, c'est bon, il est mort. Maintenant, il faudrait qu'il aille là. Ouais, c'est très bien ça. Enfin, je sais pas, en vrai. En vrai, ça force les K-flips, c'est pas mal. Ça force les K-flips à avancer pour m'atteindre. Voilà. Alors, on est K-flip haut. Qu'est-ce que ça vaut en 2019? Bah, regardez. Ça, c'est son plus gros sort. Ok. Très bien. Bah, je vais lui mettre la totale. 2 secondes. Il est passé où le roublard? Ah, il est là, il est caché. Oh, bah on focus roublard en vrai. Vous avez vu sa résistance? On focus roublard, c'est terminé. Hein. Salut, QC Fréfou. Je vais mettre un bastion. Je vais mettre bastion. Je vais Atony. Percept. Et là, je vais escure ça, en vrai. Je vais escure, c'est me barrer. Ce serait vraiment marrant que Lupermage fasse son tour et il termine dans le glyphe pour me ramener, en fait. Genre, bah non, tu reviens, toi. Tu reviens. Bon, en tout cas, la cuirassée percée, la technique de la cuirasse percée fonctionne parfaitement. Ah, il faut taper le roublard, hein, franchement. Le roublard, c'est Storch à 10% feu. Ça fonctionne, puisque mine de rien, nous, on tank pas mal, et derrière, si jamais ça focus nos alliés, bah, on les soigne. Tu joues combien d'heures par jour à 900 en moyenne? Bah, tu m'as déjà demandé, ça, Access Silver. En moyenne, je vais te dire, c'est du... Je joue pas tellement autour des streams. Quand je joue, j'essaie de vous streamer ça, même si je fais du rab. En moyenne, je vais dire 4 heures, quand même. Parce que ça demande de setup derrière, même si l'émission dure 3 heures. Peut-être que je dois préparer, etc. Préparer des stuff. Des vidéos aussi. Des vidéos. Une vidéo, bah, tu me rajoutes 2 heures, peut-être, par vidéo. Benjou, casse son stream. Comment ça? T'as l'air d'un gros frustré qui était en boule au collège. Non, mais Benjou, c'est déjà les expressions que j'utilise. Donc tu changes, connard. Tu changes, tu peux dire autre chose. Il y a d'autres variantes pour utiliser le mot victime, en fait. Connard. C'est un fou, lui. Tu sais qui je suis? Il sait qui je suis ou pas? Bon, le roublard qui va tomber. 1900 points de vie, ça se fait. Ça se fait. Non, arrêtez d'insulter Benjoui. Arrêtez d'insulter Benjoui. Ouais, il est mort. Il est saille. Bah vas-y, on va enchaîner sur les K-flips, c'est terminé, franchement. Très bon, hein, très bon la fortif. Non, il sait pas. Bah il sait pas. Il sait pas. Est-ce que j'ai un modo? J'ai pas de modo. Bon, 3007. 31%. Je vais lui mettre un ébène en plus. Purée, un 4 tours, franchement, c'est ultra propre. Je l'ai senti douter, hein. Dès qu'on a eu l'Upermage avec nous, qui était niveau 186, j'en ai vu certains, ils se sont déresponsabilisés. Mais mine de rien, ça se fait. Ça se fait. Hop, toujours le meilleur sort du jeu. Glyphes d'excursion. Ça passe. C'est excellent.
Pas les sorts 3 et 5. Les sorts 3 et 5? Les sorts 3 et 5, qu'est-ce qu'il dit? Sur Call of, tu utilises le lance Rouquet, c'est pas mal ça. Ras Dorada, c'est pas mal. On appelait ça comment? On appelait ça un lance-patate avant, le lance-patate. Use à quand un recrutement de modo que je dépose mon CV? Bah on a... ouais, on pourrait... on pourrait recruter des modos là, c'est vrai. Après, ça arrive rarement. Ça arrive rarement qu'il y a un mec qui se perde, qui insulte gratuitement. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est rare. Il n'y a pas tellement besoin. Je rappelle que je suis en live tous les jours sauf le mercredi et le samedi à 19h sur ma chaîne Twitch. Et pour ceux qui ne peuvent pas se sub à cette dernière mais qui veulent tout de même me soutenir, sachez que j'ai une page uTip en description.